Bon, il est certain, je l'ai dit là-bas au nom des avocats, et je le redis ici, il est certain que si nous sommes partie civile pour Jean-Marie et Yéwené, nous ne jouerons pas et nous n'entendons pas jouer le rôle de diviseur. Nous sommes trop conscients, et je crois l'avoir suffisamment exprimé, de l'enjeu et de l'impérative nécessité que le peuple kanak se réconcilie. Donc nous, nous sommes dans ce procès précisément parce qu'il nous semble nécessaire que la vérité se fasse et que l'on puisse après en toute lucidité juger. Alors c'est comme ça que les choses avancent. L'instruction, la première partie de l'instruction qui allait donc jusqu'à cette reconstitution, je ne m'étends pas à vous imaginer le moment d'émotion que ça a pu être la reconstitution. Bon, jusqu'à la reconstitution, le juge voulait positionner, je dirais, le rôle de chacun de ce qui était là ce soir-là. Maintenant que ceci est fait et que celui qui était suspecté a été remis en liberté, le juge veut s'attacher effectivement à cette fameuse thèse du complot. Mais Alban, tu avais bien raison tout à l'heure, je crois, de dire que l'Union calédonienne elle-même est en train de largement reculer sur cette thèse du complot. Enfin, la justice, ayant un dossier, veut quand même faire un certain nombre de vérifications. Et puis après, on va bien voir ce que le dossier amènera. Ce qui est clair aujourd'hui dans le dossier, ça effectivement c'est une réalité, ce qui est clair dans le dossier, c'est que c'est bien la même arme qui a tué Jean-Marie et Yéwené, l'arme donc qui était tenue par Ouéa Djoubeli à 99 chances sur 100, bien que l'arme n'ait jamais été retrouvée. Voilà l'état actuel de l'instruction au moment, en tout cas, de la reconstitution. Depuis, je ne sais pas si ça a évolué, mais au début février, voilà comment se présentait l'instruction. Sur le contact avec Marie-Claude, c'était assez impressionnant, parce que Marie-Claude traversait une période un petit peu difficile, en ayant le sentiment, disait-elle, que Jean-Marie avait défriché un champ et qu'on ne semait pas dans ce champ. Et là, elle voulait parler des lenteurs de la mise en place des accords de Matignon, mais elle s'adressait avant tout à ses frères, hein, aux Kanaks eux-mêmes, en leur disant « Qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?» Et elle s'adressait également aux élus politiques en leur disant « On ne vous voit pas sur les terrains. On entend beaucoup de choses, on entend parler de beaucoup d'argent qui arrive. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain ?» Voilà un peu les reproches qu'elle leur adressait à ce moment-là. Alors c'est vrai que depuis, ce que disait Alban, on a le sentiment que les choses évoluent, qu'il y a ces débats maintenant qui se font au niveau des projets. C'est vrai qu'il y a peut-être une dynamique qui s'est mise en route finalement assez rapidement, puisque c'était sur cet espace de 2 mois, hein, puisque Marie-Claude me disait ça il y a 2 mois. Par contre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, ce qu'exprimait Marie-Claude, c'est qu'elle avait été le témoin direct, évidemment, et intime, de tout le non-dit des accords Matignon. C'est absolument évident, et ce qui vient de se passer avec les mines de nickel le prouve encore, qu'il y a dans les accords de Matignon plein de choses qui n'ont pas été écrites, mais qui se sont dites dans le blanc des yeux, entre les 3 acteurs principaux qui ont été Jacques Lafleur, Christian Blanc et Jean-Marie Tchibaud. Et c'est certainement en cela que sur le plan politique, en plus du plan humain bien entendu, que la mort de Jean-Marie est catastrophique, parce que tout ce témoignage, nous ne l'avons plus. Et si Jacques Lafleur, Christian Blanc étant effectivement, n'étant plus dans le circuit directement, et donc j'allais dire que le seul témoin en fait, aujourd'hui, c'est Jacques Lafleur. Et c'est sûr que si il ne veut pas jouer le jeu, ça peut complètement déraper. Alors, c'est vrai qu'on a été quelques-uns un petit peu à pousser Marie-Claude en disant « Écoute, ce témoignage que toi tu as, de tout ce non-dit, il faut quand même que tu l'exprimes, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union calédonienne, il faut que tu le fasses savoir. » Alors après, ça pose un certain nombre de problèmes, d'abord parce que c'est une femme, ensuite parce qu'elle n'a pas de responsabilité directe, de mandat électif, donc ça pose quelques difficultés. Mais ce que je peux vous dire, sans trahir des secrets, c'est qu'à l'occasion de la reconstitution, il y a eu
une rencontre avec le comité directeur de l'Union calédonienne, à laquelle Gustave Théillot et moi-même, nous avions demandé à Marie-Claude Chibaou de venir participer, et ça a été peut-être un des résultats, je dirais, positifs de la reconstitution, que de permettre à Marie-Claude d'exprimer un certain nombre de choses qu'elle avait sur le cœur devant le comité Union calédonienne. Et, enfin, croyez-moi, ça a été un moment très, très, très profond. Voilà, ça, je crois qu'il y a déjà ce premier point qui, pour moi, m'est apparu, ce problème du non-dit dans les accords et la difficulté donc de le faire réémerger maintenant. Le deuxième point, et ça aussi, ça ressortait tout à fait des soucis, des préoccupations de Marie-Claude, c'était le problème d'Ouvert. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Ouvert ? Et il y a un certain nombre de personnes sur le plan local qui s'inquiètent, qui sont notamment des personnes de l'administration, et c'est vrai qu'il faut dire que nous avons la chance de ce qui est aujourd'hui auprès du Haut-Commissariat, des personnes, disons, qui mettent la main à la pâte, qui sont sur le terrain pour faire avancer le développement, bon, notamment d'ailleurs un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs de la région de Montpellier. Et je crois pouvoir dire qu'il y a un souci largement partagé de ce que peut devenir UVA et également la tribu de Gossana. On a vu tout à l'heure dans le film certains représentants de la tribu de Gossana, c'est donc vers la fin quand on nous parle de ce qui s'est passé à UVA, celui qui parle, je ne sais pas si vous le remarquerez, qui a la barbe, c'est le frère de Wea Djoubeli, Makeli. Bon, cette tribu de Gossana, je vous invite à lire le dernier livre d'Anne Tristan, ceux qui n'ont pas lu L'autre monde, où elle exprime bien la douleur de toute la tribu de Gossana, où elle exprime assez bien ce que nous étions un certain nombre à avoir dit pendant toute cette année depuis les accords de Matignon, en disant attention, cette tribu est complètement traumatisée, complètement choquée par ce qui s'est passé, ils n'arrivent pas à émerger, ils s'enferment dans leur douleur, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut certainement voir dans le fait qu'on n'a pas fait grand-chose une des explications du drame qui est arrivé par la suite il y a donc seulement un an. Je peux dire que Marie-Claude fait aujourd'hui partie de ceux, de celles qui disent « Nous avons certainement fait des erreurs pendant cette année, et nous notamment Union calédonienne. Alors, est-ce que nous allons poursuivre ces erreurs ? Ou bien est-ce que nous allons décider qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus continuer à enfermer Gossana et également Ouvéa ? Ce ne sont évidemment que des questions qui sont posées. Vous imaginez la profondeur et l'intensité qu'elles prennent lorsqu'elles sont posées par Marie-Claude elle-même. Et vous imaginez à peu près à la fois la stupéfaction et presque en même temps la délivrance que ça a pu causer quand elle a dit ça au comité directeur. Mais je crois que ça nous interpelle et ça nous renvoie directement à nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? J'ai eu l'occasion de discuter après avec le porte-parole du FNKS, donc Wassissi, sur ce sujet-là. Et incontestablement, il était lui-même très préoccupé de savoir ce que eux peuvent faire de leur côté et ce que nous pouvons faire pour les aider dans cette démarche qui consisterait à désenclaver, si je peux utiliser cette expression, à désenclaver Ouvéa. C'est également un souci, vous l'imaginez bien, du président de la province des îles, Richard Calloy. Parce que comment est-ce qu'il va gérer ce problème ? Alors là, il y a vraiment quelque chose qui nous est renvoyé. Je n'ai pas de solution toute faite. Je dois dire que quand j'étais là-bas, ce soir-là, au comité directeur de l'Union calédonienne, et un petit peu dans l'émotion qui avait suivi l'interpellation de Marie-Claude, j'avais dit que peut-être, nous aurions pu envisager, au moment de la levée de deuil, qu'il y ait une délégation de France qui vienne à la levée de deuil de Jean-Marie et de Yéyé, mais qui aille également à Ouvéa, ne serait-ce que pour retrouver, pour rencontrer les prisonniers d'Ouvéa. Je vous rappelle qu'il y a aussi ce vieux problème, qui reste cette souffrance qu'il y a eu lorsque les prisonniers d'Ouvéa sont partis de France directement pour entrer à Ouvéa et que tous les gens qui les avaient soutenus en France n'ont pas pu les voir à la sortie. Depuis leur arrivée à Ouvéa, et j'étais là ce jour-là, depuis ce jour-là, les prisonniers ont dit « Nous voudrions organiser un charter avec tous les gens qui nous ont soutenus pour qu'ils viennent à Ouvéa et que nous fêtions enfin notre libération. » Alors après, il s'est passé des événements dramatique de Vadrilla l'année dernière, et tout ça avait été mis en sommeil, et on s'était demandé si on ne pouvait pas remettre ça un peu sur pied, et donc si cette délégation venant pour la levée de deuil de Jean-Marie Lillier ne pourrait pas aller à Ouvéa.
étant entendu que si elle se rendait au VA, ça voulait dire qu'elle prenait évidemment l'engagement, si on lui était demandé, d'aller aussi à Gossana, à la levée de deuil de Djoubeli. Je dirais d'ailleurs sur ce dernier point que j'ai été au mois de mars à Séoul à la rencontre du Conseil œcuménique des Églises, et j'ai eu l'occasion là-bas de rencontrer des représentants des Églises du Pacifique, et j'avoue avoir été quand même vivement interpellé qu'en m'adressant à un de leurs représentants, je parlais de Jean-Marie et de Yéyé, et qu'il m'a dit « mais il ne faut pas oublier aussi mon frère Djoubeli ». C'est bien dire que dans le Pacifique, les trois morts sont associés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des distinctions, mais il ne faut jamais perdre ça de vue non plus, au niveau de la communauté pacifique. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, finalement, rejoint ce que tu disais, Alban, et bon, je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter là-dessus sur, effectivement, tous les problèmes sur le plan économique. En ce qui concerne la partition, je citerai seulement un tout petit bout d'entretien avec Léopold, et qui recoupait d'ailleurs des inquiétudes d'un certain nombre de personnes sur place. Léopold me disant, en fait, ce que souhaite la fleur, ça n'est pas la partition, c'est s'associer avec nous, Union Calédonienne, créer une espèce de bourgeoisie et de faire l'indépendance, la fleur et Union Calédonienne. C'est dire que c'est peut-être aussi, ça fait aussi partie peut-être des ambiguïtés, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était Léopold Journier qui le disait, et que donc il a été parfaitement conscient.